trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many motherfuckers wanna down me. But enemy gon' never drown me. In front of a dirty double mirror. Ça fait 20 ans que, avec plusieurs membres de ma famille, plusieurs amis, on a décidé de créer une organisation de jeunesse pour développer un tas d'activités à destination des jeunes. Et en fait, aujourd'hui, il est 20 ans. C'est un vrai adulte. Mais c'était compliqué parce qu'au départ, on travaillait tous comme bénévoles, on n'avait pas de structure. Et puis, on a eu tellement d'activités, tellement de jeunes qui participaient à nos activités, qu'on a dû regarder un peu légalement comment on pouvait faire les choses, créer une ASBL, gérer les comptes, etc. Et puis, en se renseignant petit à petit, on s'est dit, mais tiens, il existe en communauté française une législation qui reconnaît des organisations de jeunesse. Et on a tenté notre chance. Et on a été reconnus en 98 comme organisation de jeunesse. Alors on fait plusieurs choses, on a un grand département formation où on forme tout d'abord des animateurs de plein de jeux, camps de vacances, colonies, etc. avec plusieurs niveaux. On organise aussi des formations spécifiques pour les animateurs pour qu'ils aient un meilleur bagage pour se retrouver en plein de jeux ou en camp de vacances. Et puis on a un gros département animation dans lequel on organise toute une série d'activités pour les jeunes. Aussi bien des activités récréatives et ludiques telles que la plein de jeux, l'accueil extrascolaire, etc. que des activités plus spécifiques, culturelles ou sportives en fonction vraiment de la demande des enfants ou des jeunes, puisque comme nous sommes une organisation de jeunesse, on travaille vraiment autour de la demande de notre public, de nos jeunes, et c'est comme ça qu'on crée des activités. On a commencé la journée par essentiellement des animations pour enfants. Donc il y a eu des démonstrations de hip-hop, il y a eu une chasse au trésor, enfin c'était plus pour les familles. Puis les discours officiels et la réception, on va dire, plus académique. Et puis il y aura une soirée dansante après les discours pour dire de fêter dignement ses 20 ans.